Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Média là, et puis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, vous intéressé, ou pas oublier abonner avec Bombard Média Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Média Now là. Et bien, nous pas perdre du temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. C'est la firme Execo qui est chargée de reconstruction lycéen, de monte à hauteur de 214 millions de gourdes, et la firme WIBG qui est responsable lui-même de supervision de montant de 13 millions de gourdes. C'est comme ça qu'ils ont sorti dans le fonds KR, que son financement de fonds KR de l'ambassade du Japon. Il y a un représentant là avec nous, M. Inoue, représentant de l'ambassadeur du Japon en Haïti. Travaux ont démarré au 15 mai. Il y a duré 18 mois. Nous-mêmes, au niveau du BMPAD et de l'ambassade de Japon en Haïti, nous voulons assurer nous que non seulement une firme de supervision que nous félicitons qui font bon travail avec une firme de construction, mais nous-mêmes, nous voulons et y a, pour nous être capables. Vin gade, vin oué, état d'avancement travaux. Nous réjouissons du fait que travail a marché très très bien et nous très satisfaits de l'avancement travaux. Et que nous avons demandé firmes de construction et firmes de supervision qui a fait bon travail, j'en ai dit tout à l'heure, puis nous continuons sur le même lancé. Et c'est à la satisfaction de milliers d'écolières qui fréquentaient le lycée ça, qui trouvaient nos situations difficiles depuis le 12 janvier 2018 à tremblement de terre là, que dans 18 mois, on va retrouver finalement un bâtiment flambant neuf et qui respectait toutes normes et para et antisismiques. Je ne sais pas si je me bien dit. Moi, pas ingénieur, et que pour côté tout parent qui a gagné satisfaction et pas un cœur sauté le petit yo chita en bas dans le lycée ça, et côté tout élève yo même, il y a content pour recevoir le père d'éducation, le père d'instruction et dans le lycée ça. Moi, t'ai toujours dit que formation yo bail dans le lycée yo. Ça a été constitué l'une des plus grandes gloires de la République, la formation dispensée dans les lycées. Et moi-même, en tant qu'ancien lycéen, je me compte de qui ça m'a parlé. Je remercie l'ambassade de Japon qui t'a mis comme ça à disposition du gouvernement. Via le BMPAD pour permettre que jeudi en reconstruction lycée sans secrétaire, communément appelé lycée des jeunes filles, c'est une réalité telle que nous vivons là en attendant que dans les prochains mois, nous aboutissons à 18 mois de construction, nous retrouvons nous pour nous capables d'inaugurer le lycée ça. Mais toujours est-il, nous avons toujours fait le devoir. Nous avons fait nos points d'honneur pour à chaque instant pour nous visiter et lycée ça, pour nous superviser les travaux d'exécution. Yo. Même les gens n'ont pas quitté le travail là seulement et non mais film d'exécution. Hein. Encore moins dans mes films de supervision. Nous avons toujours là pour nous fouiller, regarder, pour nous état d'avancement. Yo. Si nous satisfaits, même Jean Jodia, pour nous clair, pour nous dire satisfaits. Et nous souhaitons chaque fois que nous venons plus satisfaits, nous n'avons jamais une opportunité pour nous dire pas satisfaits.
Je souhaitais que le responsable supervision prenne note et je souhaitais que le responsable firme prenne note de satisfaction ça que nous gagnons aujourd'hui. Hein. Puis dans quelle mesure satisfaction ça a toujours été même gens le nous venons dans deux à trois mois encore, du moins dans deux ou trois semaines, ou du moins dans deux ou trois mois, le vini, ouais, ça va passer dans le film. Je pense que tout journaliste qui l'a présenté, ouais, qualité de travail là, dans le travail qu'a fait dans la fondation, dans le type de fer utilisé. Moi-même, le premier l'idée que je gagné le rivé là, je me demandais si une citadelle y a fait là. Parce que j'aime fait de qualité, je dit que yo bien travaillé, ferronnerie travail que y a fait là, de ferraillage a fait là. Je suis vraiment content et satisfait. Et je garantis tout le monde, tout le personnel qui a fréquenté le lycée, toute clientèle lycée, que finalement, nous prenons le lycée qui a digne de ce nom, un lycée de référence, même gens. Pour faire bonheur toute jeune fille qui a fréquenté lycée ça, Jean non lycée à Potela, qui c'est lycée des jeunes filles. Donc d'abord, je vous remercie, monsieur le directeur général, pour préparer cette occasion spéciale pour la visite. Donc nous sommes très contents de l'avancement du projet, des travaux, malgré la situation difficile à cause de COVID-19. Donc nous sommes très contents. Comme vous le savez déjà, l'éducation, c'est l'un des piliers très importants pour la coopération japonaise en Haïti, ainsi que la santé et la préparation pour le désastre naturel et l'agriculture. Donc nous sommes toujours très étroits avec le BNPA, ou bien avec le gouvernement d'Haïti, pour l'amélioration de la situation de l'éducation. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous sommes bien contents. Le travail a été démarré dans une période assez difficile, côté que nous n'avons pas été pensé. Et jusqu'à présent, nous avons travaillé en cours, en marché. Donc nous-mêmes seulement, nous n'avons pas beaucoup de panneaux. Donc jusqu'à présent, pour nous avons 26 salles de classe dans le lycée. Et nous pensons que nous avons joué un lycée. Cette jeune fille, c'est toujours un lycée de référence, c'est toujours bien équipé. Bon, pratiquement, sous ce terrain ministère de l'Éducation nationale, là, c'est là que FNU peut construire pour des hangars. Donc, jusqu'à présent, ça va. Sous site lycée Marie-Jeanne, construction li a coûté 129 millions de gourdes, près neuf, 129 900 000 gourdes, EPIC, et supervision c'est 8,8 millions de gourdes que lié environ. Lycée ça, c'est même genre avec le lycée des jeunes filles qu'on était tout à l'heure, qui était à la vérité écrasé dans séisme dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. Yo, en pleine construction, travaillons après les bons trains ici. Hein. Nous n'avons pas fini de faire des loges pour film de supervision et film d'exécution. Film d'exécution qui c'est le nom c'est Execo. Et la film de supervision c'est JB Ribéji Architecte. Maintenant, ça que nous avons dit là, c'est satisfaction que nous éprouvons par rapport à l'état d'avance de travail qui a avoisiné les 12 à 13% ici. Il a été démarré le 5 mai 2020 et durée de travail là-haut, c'est environ un an. Il est supposé remettre clé lycée ça flambant neuf en mai 2021. Moi-même, moi toujours parler de gloire au pays à gagner, parce que je suis ancien lycéen, je vous dis ça, que Margot dit encore, que à côté de la femme haïtienne, qui était coup de drapeau, à côté de l'armée, qui était dans nos pays, ça, à côté de la jeunesse, qui c'est seul à venir pays, ça,
la formation dispensée dans les lycées, c'est l'une des gloires de la République. Si on a de nos quatre gloires au pays à gain, un, c'est la femme, deux, c'est l'armée, trois, c'est la jeunesse, et dernière, là, c'est la formation donnée au lycée. Je pense que le lycée, ça qui pourra le faire là, la permettre que petite, tout le monde qui a fréquenté le lycée, lycéen, lycéenne, capable de joindre une formation adéquate dans deux bâtiments qui répondent aux normes. Et nous-mêmes, nous toujours assurer visite ça, ou faire visite, guider ça au sous-site-là, de telle sorte que pour connaître qui est état d'avancement travail là. Il faut que nous disions que le travail ça, c'est grâce à l'ambassade du Japon, dont représentant la côté moins là, qui mettait fonds ça à travers le fonds KR à disposition du gouvernement pour reconstruction, et particulièrement ces deux lycées, lycée Marie-Jeanne que nous avons à l'heure, que nous soulignons maintenant, et lycée des jeunes filles que nous sommes visiter. Moi, je pense que c'est un bon point pour firme, pour le BMP, pour l'ambassade du Japon de représentant là. Côté travail, nous constatons que le travail de bétonnage a fait pour le moment au niveau du site lycée Marie-Jeanne. Et du trait que ça va, genre que monsieur dame supervision et firme d'exécution sur Delta Lea, c'est sûr que tu as gagné de petits retards, mais à combler par rapport à vitesse d'exécution que vous gagnez pour permettre que, effectivement, dans un an, vous remettez les lycéens à autorité PIA. Pour bien améliorer la situation éducative et bien socio-économique en Haïti. Donc, je vous remercie, monsieur le directeur général de BMPAT. En plus, nous sommes très contents de travaux que vous voyez ici. Donc, merci. Merci beaucoup. Et nous-mêmes, nous toujours assurer visite ça, ou faire visite, guider ça au sous-site-là, de telle sorte que pour connaître qui est état d'avancement travail là. Il faut que nous disions que le travail ça, c'est grâce à l'ambassade du Japon, dont représentant la côté moins là, qui mettait fonds ça à travers le fonds KR à disposition du gouvernement pour reconstruction, et particulièrement ces deux lycées, lycée Marie-Jeanne que nous avons à l'heure, que nous soulignons maintenant, et lycée des jeunes filles que nous sommes visiter. Moi, je pense que c'est un bon point pour firme, pour le BMP, pour l'ambassade du Japon de représentant là. Côté travail, nous constatons que le travail de bétonnage a fait pour le moment au niveau du site lycée Marie-Jeanne. Et du trait que ça va, genre que monsieur dame supervision et firme d'exécution sur Delta Lea, c'est sûr que tu as gagné de petits retards, mais à combler par rapport à vitesse d'exécution que vous gagnez pour permettre que, effectivement, dans un an, vous remettez les lycéens à autorité PIA. Pour bien améliorer la situation éducative et bien socio-économique en Haïti. Donc, je vous remercie, monsieur le directeur général de BMPAT. En plus, nous sommes très contents de travaux que vous voyez ici. Donc, merci. Merci beaucoup. Profiter du moment ça pour nous mettre population, pour nous mettre communauté internationale, pour nous mettre organisation qui défend droit de l'homme et autorité dans le pays au courant que il a violé droit toto de manière systématique. Parce que nous constatons que il y a une ingérence qui fait de la part de la communauté internationale dans le dossier ça. Et ça prouve à clair que Haïti ou bien justice pays nous pas grand monde tête li. Parce que la justice li pas vive de ça ou les scandales. La justice li vive de ça ou les applications de la loi. Maintenant si yo reproché Emmanuel Constant de yon infraction quelconque, faut que yo ta vini avec un ensemble de documents pour prouver ça. Toto Constant en tant que yon citoyen, quel que soit sa côté qu'a reproché, mais article code de décision criminelle dans article 470 là, il clairement défini que ou pas qu'a fait un monde vienne puger peine ni, quel que soit t'es jugé par deux fois ou bien par contumace, ou pas qu'a fait monde ça vienne puger peine ni si peine ça prescrite. Et peine non prescrite dans article 464 là, il dit clairement que la prescription pénale ou bien la prescription de la peine li a le au-delà de 15 ans. Et tout le combien de temps de yon? Li gen 20 ans de yon. Ce n'est pas nous-mêmes qui disons.
c'est pas nous qui dit, c'est la loi qui dit. Si mon nèg est engagé tout temps ça dehors, 20 ans dehors et maintenant le retourner dans pays, et loi dit que ou pas qu'à prendre ça pour dire vienne plus j'ai peine encore. Ça pas existé. Et loi pénale là pour information nous, lit d'application strict. M'pas qu'à retirer, m'pas qu'à mettre. Ça le dit ça pour m'appliquer. Et je ne veux dire qui ça n'a pas gardé, gros paquet de monde qui a spéculé dans dossier ça. Moun sa aussi ami du droit oui. Moun sa aussi partisans du droit oui, ou pas des initiés du droit. Mais nous-mêmes au niveau du cabinet justice pour tous. Nous c'est des mouns qui a fait droit. Nous pas faire ni politique, ni question diplomatie, nous étions dans droit, dans cadre légal. C'est ça fait nous adresser des requêtes avec doyenne Gonaïvlon pour nous faire un habeas corpus parce que nombre de temps que on t'a supposé déférer Toto ou bien yo Québec Toto yo pas déférer pas devant juridiction parce que pas gagné provision légale et on commence signaler pour nous. N'a l'en paquet Gonaïvlon, n'a le prend un certificat de greffe. Un certificat négatif commissaire côté dans greffe tribunal Gonaïvlon dit comme ça pas gagné rien, pas gagné pièce charge que retenir côté Manuel Constant. Et suite à ça commissaire Gonaïvlon encore déclaré dans radio que on pas retenu aucune charge côté Manuel Constant. Et je dis à pour qui ça au Québec dans prison? C'est persécution. Pour qui ça au Québec dans prison? Qui provision légale au Québec dans prison? La loi claire. Malgré que mon cap spéculer dit au paquet de bagages sur dossier, mais nous va dans spéculation, nous était dans cadre légal, qui ça la loi dit et nous appliquer exactement ça la loi dit. Pour qui ça nous pas de mettre la presse au courant? C'est parce que nous-mêmes nous t'a fait toute procédure yo. Parce que c'est ça nous respecter les principes légaux. Et bien nous fait procédure yo. Et finalement qu'on est à nous venir ouais, dans niveau rivé là nous dit faut mettre population au courant de ça. Et ça fait nous alerter la population, nous mettons en garde. Si je ne dis pas, droit toi violer comme ça, et nous-mêmes journalistes, et nous-mêmes qui gardons, je ne dis pas, la caille nous là, combien de fois on a violé droit nous comme ça tout. Et ça fait, je dis, nous mettons la presse au courant, nous mettons la population au courant, que Toto, il a violé droit dans la prison à côté de l'IA, il a violé droit, et Toto malade dans la prison. Il est malade. Même médicament, il n'y a pas de jouer. Il y a un accès pour nous, il n'y a pas de jouer. Et nous, comme condition, prison en Haïti, qui est liée. Et ça fait, je disais, passer la presse au courant, la population au courant, que doit être violé. Et nous-mêmes, au niveau cabinet de justice pour tous, nous faisons toute procédure, nous finissons avec toute démarche, et c'est ça fait que nous venons présenter la journée aujourd'hui. Mais espérer que va y suite par rapport avec dossier ça. Emmanuel Constant, c'est un citoyen qui est déporté aux États-Unis le 23 juin 2020, qui est entré dans le pays, même avec tout citoyen qui a vécu aux États-Unis et puis qui est arrivé déporté. Mais malheureusement, Emmanuel Constant a gagné pour lui passer par des CPJ qui ces formalités administratives qui toujours respectées, avec toutes les portes qui toujours entrées dans le pays, qui pour entrer des CPJ pour le faire prêt, etc. Nous-mêmes, comme avocat Emmanuel Constant, nous avons accompagné les formalités administratives. Malheureusement, l'un attend Emmanuel Constant, il était qu'à 2 heures ou 3 heures. Nous apprenons que Emmanuel Constant n'a pas sorti des CPJ, il a tout gardé à vue. Les noms de ceux qui l'ordent, ceux qui pour qui charge, pour qui motif, c'est le saillot après nous. En tant qu'avocat Emmanuel Constant, non seulement nous pas kaweli, nous pas ka parler avec lui, parce que y a un district pour personne pas parler à Emmanuel Constant juste à quitter mercredi 23 juin 2020. Donc après des démarches, nous allons au niveau parquet quoi des bouquets côté qui était un ex-commissaire et Maxime qui était Maxime Augustin qui était commissaire à ce moment. Donc Libanon hôte de visite, nous entrons dans le roi Emmanuel Constant, nous parler avec lui. Et puis comment Maxime Augustin était pour mettre nous que il était kembé Emmanuel Constant pour seulement des formalités administratives côté que c'était un monde qui était soi-disant était responsable massacre à Boto dans le temps en 1980 en 1994. Donc il était entré, il était sous juridiction, il était obligé garder li à vue bien que m'a dit la presse tout c'est sans l'ordre, c'est sans l'ordre et c'est sans un mandat li mettait Emmanuel Constant dans garde à vue sans l'ordre d'amener. Donc il nous dit comment ça on mettait un monde dans prison, on mettait un monde dans garde à vue sans ordre d'amener. Il dit nous c'était des simples formalités administratives. Mais dans deux jours qui c'est jeudi Emmanuel Constant, Emmanuel vini dans mardi, dans jeudi Emmanuel Constant a supposé relâcher. Donc nous dit pas de problème comme c'est des formalités administratives, donc nous comprenons. Et malheureusement dans jeudi l'entend Emmanuel Constant, il transfère Emmanuel Constant au niveau des Gonaïves. Le nom à l'écoute Maxime dans parquet, commissaire Maxime dit nous que Emmanuel Constant a les Gonaïves parce que soit massacre Boto te commet Gonaïves, donc il va gagner le choix que prend Emmanuel Constant voyer sous dans juridiction des Gonaïves.
Donc du coup, nous tout rentrer dans la juridiction des Gonaïves, nous aller voir commissaire principal parquet Gonaïves là qui c'est Sira Garcius. Nous tout adresser lui en requête, nous tout dire lui comme ça que pour lui procéder avec relaxation Emmanuel Constant dans l'immédiat. Parce que mes tout et requête là n'a tout bail la presse, toute requête nous t'est adressé et commissaire du gouvernement des Gonaïves là. C'est à ce moment, le commissaire l'a dit nous, jusqu'à présent, il voyait Toto Constant Bali au niveau des Gonaïves. Il pour qui raison? Parce que parquet des Gonaïves pas reproché Toto de rien du tout. Si c'est pour ça qu'un massacre de Raboto, hein, c'est un jugement qui a eu lieu depuis l'année 2000, depuis novembre 2000. Et donc 20 ans après, peine sa prescrite. C'est pas parquet qui est capable de prendre nous ça en tant qu'avocat, nous connaissons. Nous avons une provision légale. Code de sursis criminel en clair, et l'article 464 qui parlait de prescription, et l'article 470 qui parlait de jugement par contumace. Dans le cas que un monde jugé par contumace, qui ça veut dire mon pas là, mon pas dans procès, hein, et puis il fait jugement pour lui sans que lui pas là. En matière pénale. Donc, dans le cas, à côté que moun n'a pas là, il a jugé le parcours de Sumas, 20 ans après ou 15 ans après, qui c'est la grande prescription, moun sa supposé libre. Donc, Toto, jusqu'à présent, Toto, soi-disant, il est en prison, c'est mort, nous ne savons pas pour qui motif. Nous avons demandé pour qui motif Toto est en prison là, jusqu'à présent, nous ne savons pas. Nous-mêmes, en tant qu'avocat, nous soumettons une ordonnance à doyenne qui est Fonny Charles Nogues, qui est doyenne tribunal première instance de Gonaïves. Doyenne refuse nous catégoriquement actionner en habeas corpus, qui est en action en habeas corpus, qui est une action qui m'a dit que pour nous, nous avons un client nous, et puis pour le client nous passer par devant un juge naturel. Client nous en garde à vue depuis l'entrée en Haïti depuis 23 juin 2020 et jeudi nous 21 août 2020 Toto encore gardé pas en garde à vue maintenant il s'attrait en détention préventive prolongée pour qui raison nous pas connaît en tant que avocat Toto nous même cabinet justice pour tous qui c'est avocat Toto n'a demandé libération immédiate Toto Constant parce que Toto Constant pas reproché de aucune charge contre lui il pas aucun motif pour aucun bel côté lié là. Donc, nous demandons la libération immédiate. Parce que Haïti est un pays. Si Haïti est un pays, je dis, hein, nous ne pouvons pas croire que la justice qui est là pour garantir tout droit à monde, pour je dis, hein, ces crimes qui commettent. Coalition nationale jeunesse, congé. C'est une structure qui est là-dedans, plusieurs dizaines d'organisations jeunes, dans 5 sous 10 départements dans le pays. Qui a réfléchi et agi sous problèmes sociaux, qui a brassé la société. Jodi a nous paraître devant la presse pour nous dire à toutes jeunes garçons, jeunes femmes en deux pays, après tout ça nous fin sibi depuis plusieurs années, moment arrivé pour yon prendre responsabilité. Nous fin dire devant la presse à tout secteur dans la vie nationale là, jeunes garçons et jeunes femmes représentent plus passé moitié tout le monde qui vit sous bout de ça. C'est yo qui plus victimes. C'est yo qui bay plus menti. C'est yo qui utilise plus pour régler les affaires. Yo. En plus, c'est pour yo qui mette barrière dans tout bagay. Jeune garçon et jeune femme, gen en pile temps, y a goumé sans prendre souffle contre insécurité, contre la vie chère, contre grand goût, pour yo joindre bon gens encadrement en d'un pays. Mais, pour ces réflexions et décisions qu'a prend pour pays, yo mette yo sous côté. Dans ce sens, ensemble, organisation sa yo, plateforme Femmes Soleil Éclairé, regroupement des jeunes pour combattre la violence, plateforme Action Jeunesse, ak an pil lot encore, tant que modèle, décide, prend responsabilité yo pour engager dans une bataille pour définir une politique pour la jeunesse, avec la jeunesse. N'a demandé président Jovenel Moïse pour prendre décision, intégrer tout jeune garçon et jeune femme compétent dans l'espace décision pays. En plus, n'a demandé président pour secteur jeunesse là, qui représente plus passé moitié tout le monde qui vit sous bout de terre ça. C'est eux qui baillent, c'est eux qui prend, c'est eux qui force là. Pour lui intégrer ou bien pour lui représenter normalement comme toute l'autre
secteur dans la vie nationale là dans conseil électoral provisoire qui a bien pour organiser élection en d'un pays. Quand j'ai comprendre, li engagé l'a agi pour changer. Monsieur, comment nous est? Jean, faut-il parler à la radio télé? Ouais, Chili. Ah, mais faut-il parler à la radio télé? Ouais, Chili, ça, tu vois. Faut-il parler à la radio télé, Guinée? On pense que c'est ça, Par la radio télé Guinée. Moi, je suis là, mais tout le monde a fait. Si tout le monde chile, moi, je parle là, c'est Kembo qui fait m'appuyer. Moi, je suis l'autre seul qui est en bas. Après, les boules d'avenir, mais il n'est pas capable. Ça passe, ça passe. Parce que nous n'avons pas vu de monde qui peut aider nous, nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas rien. Pour nous, presque un mois, nous avons dormi dans la salle d'ici. Mais Dieu, je ne vous dire, pas grave, n'a pas grave, je ne savais pas que vous êtes. Allez, non. Qui vous devez aller? Quand tu vas à la télé Guinée? Hein? La télé Guinée va plus jamais. Télévision pays, à fond, tu parles ensemble avec nous? Non, ok. Où sont-ils au Chili? Qui situation? Qui occasion qui mène là? Puisqu'on est allé pratiquement au Chili pays, à fond, tu parles ensemble avec nous? Qui s'est retourné? Monsieur Mbrissé, oui, il faut se parler avec nous. Quelque chose. Je vais parler avec nous. Mais pour le moment, je ne vais pas parler avec nous. Monsieur. Dis 1 minute parole ou bon? Est-ce que, ok, agent ONM, qui sont où yo, bien accueillis nous, les retournés dans le pays? Mais nous venons accueillir. ONM qui sont agents là et pour recevoir nous, comment nous accueillons là? Bon, jusqu'à présent, bon, pas aucun accueil. Hein? Non, mais quand tu m'as parlé, non, pas aucun accueil. Jusqu'à présent, pour gagner. Est-ce que les machines à faire là pour aller à la caille? Ok, depuis qu'il en a vol, depuis qu'il en a vol. Tu es à partir de 8 nous sommes chez lui. Et où il veut qu'il est là? Il est là à partir de 4h. Est-ce qu'il y a bon manger? Non. Hein? Non, il n'y a pas de programme pour ça. Mais parce que son vol humanitaire, vol là, il n'y a pas de vol commercial. Qui compte au bras aller en Haïti? Aller, non, non. Non, non. Bon, ça y est, est-ce qu'il y a bras là avant? Non, jusqu'à présent, non, on va connaître. Est-ce qu'il y a un déjà qu'on nous apporte en Haïti? Non. Mais qui sont espérés là? Est-ce qu'on espère aller dans nos jours ou bien abdomin là? Bon, pour me dormir, pas qu'à dormir comme là. Malgré que je fais 12 jours abdomin dans la rue Chili, dans le pays Fouet, qu'on n'y a pas comme de canadien pour dormir encore. Je fais 12 jours abdomin dans la rue ambassade haïtienne Chili. Nous commençons le premier. Moi ça, je fais 12 jours. Les 12, trois organisations mettent ensemble, ils levent et mettent dans un collège. Je dis à faire nous 8 jours dans le collège là et c'est jeudi à tout. Il y a des gens qui ont été frais. Il était frais, nous remarquons qu'il y a des côtes sous. Il était frais dans le pays. Chili, son pays frais. Chili, son pays frais. Et nous avons dormi dans la rue. Et sous quoi, l'ambassade haïtienne. Devant l'ambassade haïtienne dans le pays Chili. Nous, il y a un avion 150 qui a dormi dans l'ambassade là parce que nous n'avons pas de pécaille, nous n'avons pas de travail. Et ils mettent nos lieux dans l'ambassade. Mais où va tourner ce cop dans mon monde? Ou tu dépenses en pile cop pour aller au Chili? Où va tourner ce cop dans mon monde? Non, je ne peux pas travailler au Chili. J'ai 2 ans, 3 mois depuis que je vais au Chili. Je ne peux pas travailler avec papier. Dans le pays Chili, depuis que je n'ai pas papier, je ne peux pas travailler. Depuis que je n'ai pas papier, je ne peux pas venir sur la santé. Depuis que je n'ai pas papier, c'est comme si son chèque était dans la rue. Depuis que je n'ai pas papier. Mais on dépense en pile cop pour aller au Chili? Oui, nous, tout le monde connaît. Pour aller au Chili, il faut dépenser 3 000 à 4 000 dollars américains pour payer au Chili. Ou déçu? Non, pas déçu parce que je vais tirer un peu de leçon. Chili. Qui leçon par exemple? Bon, un peu de bagaille. Je vais tenir un peu de bagaille dans le film. Je vais tirer un peu de Chili en Haïti. Pas well.
et bon, en pile bagaille. Je suis tellement trop pour que tu aies pas raconté. Ou comptez retourner Chili ou bien? Non. Ou pas comptez faire expérience ça encore? Non. Est-ce que vous papier aussi signé pour pas jamais tourner Chili encore? Ah, mais je suis papier, ça c'est dans l'esprit. Ah, je suis papier. Monsieur, je vais aller voir. Ok, al dégage. Radio Télé Guinée, du merci. Monsieur, c'est beaucoup, merci nous pour belle travail qu'on a fait là. D'accord, merci. Et ok, bon, je vais profiter de l'occasion tout. Pour me dire merci à la communauté haïtienne qui est dans le pays Chili. Parce que si vous même qui êtes supporté nous, tout jour nous te fait coucher dans la RIA devant l'ambassade haïtienne. Et spécialement, je vais remercier Katsou Tabla Jeunesse, tout groupe là, et spécialement Junior. Qui te connaît ça, c'est ça pour nous. Nous, t'es joué qui l'ensemble avec nous, pas de la guerre, nous, qui fait pas nous de bien. Parce que bataille n'a pas facile. Pour nous, il veut la journée aujourd'hui, mais ce bataille n'a pas facile. Nous prenons prison, nous prenons gaz. Mais nous faisons tentative pour nous entrer dans le local ambassade haïtien. Pour nous prendre en otage, parce qu'il n'y a pas de vrai si il y a un pouvoir là pour nous. Il n'y a pas de vrai. Pour y a ces manifestations, on fait chaque jour, faire grève chaque jour. Jusqu'à ce que la police arrête nous, nous prenons gaz. Même ambassadeur prend gaz le jour. Ambassadeur haïtien. Ambassadeur haïtien, tout corps diplomatique haïtien n'a pas gaz. Mais pourquoi ça va te blesser pour nous venir là? Bon, je ne sais pas qui est personnel, je ne sais pas. Mais les naïfs demandent à eux parce que c'est plusieurs nations qui veulent tourner la caillou dans le pays Chili. Mais il y a trois organisations qui sont là pour les gens qui ont des difficultés, qui ne peuvent pas tourner la caillou, ils sont là pour mener les gens la caillou. Mais il faut qu'il y ait autorisation ambassade pays pour là. Il y a plusieurs autres nations qui déjà allées. Mais nous-mêmes, là, nous faisons demander à eux. Parce que nous ne pouvons pas payer quand ils sont dans la ligne d'abdomen, ils ne peuvent pas répondre à l'appel, ils ne peuvent pas connaître ça. Jusqu'à ce que ces guerres, ces manifestations nous fassent contre eux. Et puis bon, après ils viennent prendre décision. À la fin, ils prennent décision. Mais nous faisons 12 jours abdomen à terre devant l'ambassade dans le pays Chili, dans le Fouedia. Mais où c'est quitté Haïti, c'est espéré à jouer une situation qui est meilleure pays d'Haïti. Oui, tout le monde connaît. Depuis partir, c'est pour la vie. Mais des fois, sur tes pensées, ce n'est pas ça. Sous tes connais ou pas t'aboiler. Ou pas t'aboiler. Et puis Chili, son pays. Loin. Bon, son pays loin, c'est pas pays où on a retourné dans la machine. Et il y a un pile haïtien là qui est en difficulté dans le pays Chili. Il y a un haïtien pas capable, il y a un haïtien qui fou, il y a ça qui est tout mental, il y a tout les problèmes. Et il y a ça qui n'a pas de papier, il y a tout pour les problèmes, mais pas de monde qui peut parler pour eux. Un pile haïtien veut tourner, majorité haïtien veut tourner dans le pays, mais il n'y a pas de moyens pour tourner. Qui sont comptés faire pour reprendre des situations, des expériences qui sont très mauvaises selon nous? Ça compte faire pour reprendre. Compte faire un peu de bagaille, mais est-ce qu'il y a bail passé? Si il y a bon ou passé, n'a pas fait. Tout le monde qui sont Chili là vient avec un bagaille dans la tête. Tout haïtien qui sont Chili vient avec un bagaille dans la tête. Tout haïtien qui est Chili, on va nous c'est l'école ou aller. Parce que depuis ce Chili, on vient avec un bagaille de nouveau dans la tête. Combien de temps on fait l'autre bois? On fait 2 ans, 4 mois. Vous êtes à apprendre l'anglais? Oui, bon, même si il n'y a pas 80%, mais il met à 50% de fois. Parce qu'on n'a pas même accent avec nation. Mais pour tendre, pour est-ce qu'on a un message pour chaque grand haïtien qui a gardé, qui a tendu là et qui a gagné la tête tout pour le Chili? Bon, message là, même si tu as fait un message à passer, il y a un passer malgré nous-mêmes. Nous venons, il y a ça qui a demandé pour aller. Malgré nous-mêmes, nous venons et on tendait dans cette situation, nous avons dormi dans la rue Chili, il y a des gens qui au Brésil qui ont entré chez nous. Il y a des gens qui au Mexique qui ont demandé pour retourner dans la rue Chili. Non, bon. Ça veut dire de toute façon, même sous tourner, on a pas la situation, c'est pour ça. Même quand nous vraiment, et c'est bon Dieu qui fait nous venir là. Parce que nous passons en pile misère. Nous faisons 12 jours abdominaux dans le pays Chili. Dans le Fouedi, ça pas plaisant. Et si ce n'était pas grâce à la communauté haïtienne, nous t'avons mouru. Parce que en bas, le consulat haïtien dans le pays Chili, il n'a pas gardé nous. Pas garder nous, mais nous chassons de l'eau. Je suis sur le bâtiment. Chaque haïtien tourne avec vous. Qui sont comptés pour nous tourner là? Nous, chaque monde qui est dans l'esprit. Mais nous prenons la réalité pays. Nous n'avons pas besoin de parler pour tout ça. Nous prenons la réalité pays parce qu'on n'a pas passé pour tout faire. Et monsieur, parlez. Finalement, et ça passe. Vous voulez monter machine ou NM? Non, nous pouvons aller, il y a monté. Il y a monté, il faut devoir la veille là. Nous pouvons aller exactement dans le Gate 7 dans son affaire. C'est la bio NM. Oh, Gate 7. Ah ouais.
ONM? Oui, ONM. Ok. Normalement, nous finissons pour accueillir les gens parce que nous connaissons pas le pays. Automatiquement, nous rentrons dans le pays. Nous là. Mais c'est combien la procédure? On en veut combien qui rentre là? On compte combien qui rentre? 151. Et qui prise en charge que nous allons faire là? Normalement, nous accueillons. Nous allons recevoir avec un couple à chaud. Normalement, nous allons prendre des remontées à jour. On va recevoir avec un plat chaud et puis ONM, ensemble avec OIM, on va accompagner pour mener la paille. Mais vous ne savez pas dire que c'est constance que vous rentrez? Non, vous ne pouvez pas aller ensemble avec nous. Vous ne pouvez pas vraiment sortir côté nous-mêmes et bureau panouiller. Vous êtes sorti, non. Vous sortez normal. Okay. Mais nous-mêmes, nous voulons accompagner, nous voulons accueillir, nous voulons être là pour nous. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.